Alors, je vois qu'il y en a qui ont terminé, c'est super. Vous allez pouvoir faire ceci. Vous allez transformer le calque d'arrière-plan en objet dynamique. Clic droit à droite du nom arrière-plan, convertir en objet dynamique. Et vous allez pouvoir mettre sur ce calque un réglage d'accentuation de détail, comme filtre renforcement accentuation. Filtre renforcement accentuation. Alors, les textures qui se trouvent au-dessus de ce calque ne seront pas accentuées. Par contre, les chromes de la voiture vont être accentués. Vous allez pouvoir régler le rayon assez faible, le gain plus fort. Regardez à quel point ça fait ressortir le détail. Si vous cochez et vous décochez, vous voyez que on a les chromes de la voiture qui ressortent plus. Et comme c'est mis sur un objet dynamique, le réglage reste modifiable. Voilà.